Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir que nous rejoignons sur le plateau télé Anacaona. 13.5 Orlando, 11.3 Port-Sainte-Lucie, 18.7 Miami, pour nous porter pour vous, premier numéro Tativi Sport pour semaine. Pour que ça rentre la caillou, c'est grâce à support toute équipe là, Orlando, Port-Sainte-Lucie, Vanda, comme d'habitude, fait maquillage, Sony, belle en forme, fait coordination Miami, Lundi Ménard, Orlando, ingénieur Daniel Alexis, désormais a fait coordination hein, pour nous du côté d'Haïti, ainsi qu'ingénieur Héroud Augustin et réalisation ingénieur Kirby Léveillé. Présentation, votre serviteur Delva Blanc. Rapidement, mais quelques points, nous allons gagner pour nous débattre pour vous. Dans le ça pour matin, après-midi, à soir, dépendant des fuseaux horaires ou dépendant des lois, suivez-nous. Nous allons faire plein feu autour des deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Côté Haïti fait deux belles victoires, 6-0 contre Honduras et 11-0 face à Île Vierge américaine. Nous pourrons gagner pour nous parler également du basketball NBA. Week-end qui s'est passé là est marqué par le All-Star Game, la rencontre des stars de la NBA qui est faite dans l'état d'Ohio du côté de Cleveland. C'est Tim LeBron qui remportait match ça avec comme MVP Steph Curry. Ensuite, football, nous avons fait plein feu autour de la 26e journée du championnat d'Italie de football. C'est toujours le statu quo dans tête classement avec bien sûr le nil du Milan, la défaite de l'Inter et nil de la formation napolitaine. C'est tout pour ça, avec plusieurs autres, nous allons débattre pour vous, pas déplacer. Nous avons juste une pause. Nous vous rejoignons dans quelques instants. Nous retournons très rapidement après pause là, mesdames et messieurs. Nous rappelons l'autre fois encore sous télé Anacaona. On va suivre Tativi Sport, Chosako et Léye par ACTV. En Haïti, Delva Calcio, Bomboule. Juste avant de rentrer de plein pied dans l'information pour aujourd'hui, nous profiter remercier tous les amis, particulièrement l'équipe télé Anacaona qui a accompagné nous dans un moment difficile. Nous saluer nos très chers téléspectateurs et internautes qui étaient en quelque sorte supporté nous pendant un moment difficile, à savoir départ papa nous. Nous avons pris le temps pour nous voir comment nous sommes capables de remonter un moment difficile et rejoindre le goût de la vie. Et c'est dans l'objectif ça, nous là, aujourd'hui, pour nous capables d'informer sur le plan sportif. Merci tout le monde. Merci Kaby Léveillé, merci PHMA, merci Télé Anacaona. Nous avons rapidement dans le développement d'informations. J'en ai annoncé là, nous avons commencé avec le football, éliminatoire Coupe du Monde féminine, Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Haïti démarré éliminatoire sur les chapeaux de roue pour une large victoire sous l'équipe Honduras là. 6 goals à 0, j'en ai capable de remarquer dans le tableau 1, c'est Chelsea surpris qui a marqué le premier goal dans le match à la 13e minute de jeu. Ketna lui, 19e minute, et puis Batcheba lui pour aller faire un doublé, 32e et 49e minute. Rose Laborge là, a marqué à la 42e minute de jeu, et puis Shirley jeudi, a marqué 6e goal là à la 55e minute de jeu. Donc large victoire de l'équipe nationale face à formation Honduras là dans 4 premiers matchs éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF. Nous pour aller rapidement dans résumé match ça justement pour nous permettre tout suivre et en quelque sorte comment ça t'est. Nous connaît équipe Honduras là comme d'habitude et bien tout de blanc vêtu tandis que équipe haïtienne là t'a joué avec couleur et habituelle à savoir bleu et rouge.
équipe haïtienne, là, j'en ai dit tout à l'heure. Tu as démarré le match là sur les chapeaux de roue. Je crois que le match a été déroulé du côté de Cuba. Donc, l'équipe haïtienne, qui joue à maillot rouge là, nous reconnaît Nerilia avec numéro 10 là. Et sans oublier et Chelsea Supri, Ketna Louis, Batsheba, Rose Loboge là, Shirley Jeudi, pour nous citer ça seulement. Donc, l'équipe haïtienne, tu es seulement pour 13 minutes. Pour être capable de marquer le premier goal là, en nous suivant, le premier centre, mais le goalkeeper a sorti sous ballon, il est arrivé en quelque sorte capté, l'équipe haïtienne a bénéficié d'un corner, ça n'a pas rien, mais le danger est toujours là, centre et puis reprise de tête de Chelsea surpris, seul au second poteau, il fait que catapulte le ballon au fond des filets de la formation du Honduras. Ça fait 1-0 pour la sélection nationale haïtienne. Sous un coup franc et puis tête de Ketna Louis. Nous fait 3 goals tête. On regarde ça. Ketna Louis qui pourra le battre goal qui paye. Voilà. Sous coup franc ça, exécuté par Charlie Jeudi. Ça fait 2-0 pour l'équipe haïtienne. Nous sommes toujours en première mi-temps. Débordement sur la droite. Nerilia Mondésir était à deux doigts. Pour le faire troisième goal là, tu as essayé de faire un rabat magie, ça n'a pas marché. Ensuite, Haïti bénéficiait d'un pénal. Pénalty transformé par Batsheba lui. Voilà. Il bat le goalkeeper, ça fait 3-0 pour l'équipe haïtienne. Et puis, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps, nous pourrons le faire en 4e goal. C'est Rose Loboge là qui va marquer 4e goal là. Son percé de Nerilia. Très bonne passe. Et puis Rose Loboge là fait que mettre ballon en d'un goal là. Ça fait 4-0 pour l'équipe haïtienne. C'était justement score à la mi-temps. En deuxième période, équipe haïtienne a continué à Carnaval là. On connaît beauté bien sûr par Shirley et la reprise de tête de Batsheba lui. Ça fait 5-0. Batsheba qui marque deuxième goal personnel li dans match ça, mesdames et messieurs. Et puis Shirley jeudi pour en quelque sorte fini festival là, mette fin à calvaire. Équipe Honduras, là, voilà Shirley, auteur de 2 passes décisives, et il a conclu de fort belle manière la passe en profondeur et marqué le 6e but de la sélection nationale. Un véritable score de tennis pour yon entame des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous pas capable de demander mieux que ça, n'est-ce pas, ingénieur Kerbi Léveillé, 6-0, ça, il faut le faire. Après belle victoire, 6-0, équipe haïtienne fait contre Honduras. Il n'a pas été en si bon chemin. Et dimanche 20 février, il a pris le jouer. Deuxième match dans l'éliminatoire. Cette fois contre Saint-Vincent et Grenadine. Équipe haïtienne a révélé sans pitié pour Saint-Vincent et Grenadine. Il manque balle 2 fois ça le débat Honduras là. Donc équipe Saint-Vincent manque pour 12. Mais petit mesdames Saint-Vincent yo té marché accompagné. Yo ramasser gol pour pas échapper. Donc 11-0 pour la sélection nationale. N'a souligné pour vous que match ça té fait du côté de Cuba dans yon stade, eh bien, yorele Antonio Maceo de Santiago à Cuba. Donc, équipe haïtienne, pour elle malmener, pulvériser Saint-Vincent et Grenadine, Janus Odula, par 11 goals à 0. Mais tableau buteur, c'est Rose Loboge-là, qui réalise un quadruplé. Si dans le premier match face à Honduras, là, il était scoré à la 42e minute. Donc dans le deuxième match, là, Rose Loboge fait 4 goals. Ça fait de Rose Loboge
meilleure buteuse de la sélection nationale pour deux premiers matchs avec 5 goals. Il était marqué à la 20e minute, 51e, 76e et 88e minute de jeu. Shirley jeudi, marqué à la 23e minute, c'est deuxième goal Shirley pour deux matchs. Rappelez-nous, c'est Shirley qui était marqué 6e goal haïtien face au Honduras. Ensuite, Ketna lui, pour aller marquer à la 34e minute de jeu. Nous rappelons que Ketna était marqué dans le premier match face à Honduras là. Et puis, il y a Milan, Pierre, Jérôme qui font doublé, 44e et 65e minute de jeu. Madeline Moril, 62e minute. Chelsea Siobri qui était marqué premier goal Haïti face à Honduras. Et là, il était marqué à la 80e minute. Et puis, Roselyne Eloisin pour aller marquer 11e goal là. Nous, alors, faut que nous soulignions que Roselyne Eloisin a quitté le match sous blessure. Nous espérons que Roselyne a reprendre sous peu pour capable continuer et bien bail plaisir aux fans du football national. Haïti après deux belles victoires ça, il fait, il gagne 6 points ex-aequo à Cuba. Haïti marqué 17 goals, Cuba fait 17 goals tout et puis Honduras en 3e position. Prochaine sortie sélection nationale haïtienne et football féminin, c'est pour le 9 avril prochain, côté Haïti pour aller jouer contre les îles Vierges américaines. Et puis le 12, c'est pour aller le choc au sommet, la bataille dans ce groupe pour l'obtention de la première place, puisque Haïti pour aller jouer contre la formation cubaine. On a souligné pour vous que c'est l'équipe qui finit en première position dans le groupe ça qui a décroché billet qualificatif pour tour suivant. Donc, nous avons obligation pour nous battre les Vierges américaines le 9 avril prochain. Ensuite, battre Cuba pour nous capables de prendre première place là et prendre seul billet qualificatif pour suite éliminatoire Coupe du Monde qui a fait en 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Nous allons observer, on pose. Restez branchés, mesdames et messieurs. Nous rejoignons dans quelques instants.